Et salut, vidéo sur les contrats dans EVE Online. Alors c'est quelque chose, surtout au début, quand on commence dans EVE Online, on a tendance à pas aller souvent aller voir dans les contrats. Quand on avance dans le jeu, vous allez voir qu'il y a un gros intérêt à aller dans les contrats. Surtout si vous faites ce qui est monde industriel dans EVE Online, ça va vraiment vous servir parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve que dans les contrats. C'est pas sur le marché. Hein. On pense des fois qu'on peut tout avoir sur le marché. Non, non, il y a des choses qui sont disponibles uniquement sur le contrat. Hein. On va voir ça. Donc en fait, pour aller dans les contrats, c'est dans Finance. Et ici, vous avez Contrat. Donc en fait, une fois que vous êtes dans les contrats, donc vous avez vos contrats hein, par rapport à vos compétences. Voilà, vous pouvez voir un petit peu tout ce que vous pouvez créer et compagnie. Vous avez ici, vous affichez vos contrats quand vous avez des contrats et vous pouvez rechercher des contrats. Alors, il y a plusieurs types de contrats. Donc il y a les contrats déjà des personnes qui veulent acheter des choses, des personnes qui vendent des choses, et il y a des enchères. Tout sera affiché ici, et vous avez aussi des contrats de courrier pour faire des missions de livraison. Voilà. Donc souvent quand on commence, on fait les missions de base du jeu, même si je sais qu'il y a des missions PvE, donc de transport, mais on peut aussi faire du transport pour le compte de joueurs. Et vous-même, vous pouvez créer des contrats pour offrir voilà, des offres aux autres joueurs et gagner de l'argent comme ça. Alors, ce qui est intéressant sur EVE Online, c'est qu'en fait, ils ont mis en place un système pour que il y a certaines choses dans le jeu où vous n'avez accès que par contrat. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple par exemple, du prospect, imaginons vous faites de l'industrie, vous voulez créer un prospect. Vous allez devoir aller dans contrat et pour pouvoir trouver, alors emplacement, on va mettre région actuelle. Là, je suis à Gita, j'aurai peut-être plus de chances de trouver quelque chose. Donc, si par exemple, j'ai un prospect, le seul moyen d'avoir un plan de construction, ça va être d'aller dans les contrats. Par exemple, vous voyez, si je vais dans le marché régional, je tape prospect, voilà. Là, je peux uniquement avoir acheter un prospect, mais si je veux le fabriquer, vous voyez, je n'ai pas accès à un plan de construction. Il va être uniquement voilà, dans les contrats. Donc tout ce qui est voilà, vaisseau Tech 2, Tech 3, donc ça va être uniquement trouvable dans les contrats. Ensuite, il y a les plans de construction, mais modifiés. Par exemple, si je prends. On va par exemple aller on va chercher par exemple le tornado. Donc tornado. Donc si par exemple je veux un plan, alors on va afficher par prix. Si je veux par exemple un plan de tornado, donc vous avez la copie, hein, hein, les copies de vaisseaux seront visibles dans les contrats et seront uniquement disponibles dans les contrats. Et si vous voulez le plan original, étant donné qu'il est modifié, vous voyez par exemple celui-là, il a un cycle, on voit. Hein, ben, de cliquer dessus, donc vous voyez efficacité matérielle donc 10 et gain de temps 10. Donc il est modifié, donc il sera uniquement vendable sur le dans les contrats. Tandis que si par exemple on fait afficher les détails du marché, ici vous avez bien des plans de construction, mais ce seront des plans de construction avec aucune amélioration, c'est-à-dire ils seront zéro en efficacité, en gain de temps ils seront à zéro. Voilà, donc ça faut bien faire attention à ça, voilà. Ça sert surtout pour le monde de l'industrie. Mais faut savoir quand même que vous avez la possibilité dans les contrats d'avoir donc un espace courrier. Et si vous faites rechercher, ben voilà, vous avez accès à des missions de courrier pour des joueurs et qui vous proposent des récompenses. Alors, faut faire attention parce que, par exemple, on va prendre l'exemple ici. Ben, c'est un parfait exemple de ce contrat. En fait, vous voyez, ce contrat, il peut être intéressant. Vous dites, bon, bah, il y a que 7, actuellement, il y a 7 sauts. Il a 7 sauts, donc de ma position, plus ça part de là où je suis, il a 7 sauts. Et on va me récompenser 6 millions. Donc quand on commence, 6 millions pour faire 7 sauts, c'est pas mal. Le volume 43 000 m3, donc avec les vaisseaux premier prix du jeu, les vaisseaux de base, vous pouvez facilement faire le transport. Le problème, c'est qu'il y a une caution à 1,4 milliard. Donc c'est-à-dire on vous demande d'avoir 1,4 milliard. Alors, si vous mourrez, en fait, on va vous prendre cette somme, on ne va pas vous la rendre. Tandis que si vous livrez bien les objets, on va vous rendre cette somme. Donc faites très attention à la caution, ça peut souvent
ça va souvent vous poser problème. Mais il faut savoir, voilà, dans les contrats, vous avez accès aux missions de transport pour le compte des joueurs. Ensuite, donc voilà, vous pouvez acheter. Il y a aussi des possibilités d'enchères. Alors, je ne sais pas si par exemple ici il y a une enchère. Ouais, voilà, vous voyez qu'ici il y a une enchère. Alors là, je parlais de l'industrie, mais il faut savoir aussi qu'on peut vendre n'importe quel item du jeu. Si par exemple, donc là, vous voyez, j'ai tapé Tornado. Donc là, on voit tout ce qui est en rapport avec le Tornado. Il y a aussi des joueurs qui vont vendre des objets multiples. Donc là, effectivement, on a juste marqué objet multiple. Il faudra double-cliquer dessus pour voir un petit peu tout ce qu'il y a, ce qu'il propose. Voilà. Donc à chaque fois, il y a le prix, hein, ce qu'on vous demande, et l'emplacement où se trouve l'objet. Voilà. Donc faites attention parce que des fois, on vous demande peut-être un petit prix. Mais on va vous demander aussi des plex. Vous allez pouvoir payer en plex, etc. Donc faites attention à ça. Alors, il faut savoir que dans les contrats, il y a beaucoup d'arnaques. Donc faites très attention. Il y a des choses, vous allez penser que c'est une bonne affaire. Vous allez vous dire, je sais pas, là, on me propose un truc, ça vaut 3 millions, on me le propose à 2 millions. En fait, vous n'allez pas faire gaffe, c'est pas 2 millions, c'est par exemple 200 millions. Enfin, oui, il y a souvent des petites choses comme ça, donc faites très attention. Voilà, donc vous voyez, et comme je vous disais, donc il y a des choses que vous allez trouver uniquement dans les contrats. Donc c'est pour ça que les contrats, ça va être vraiment très utile et très important dans votre aventure sur EVE Online, parce qu'il y a des fois, bah, on n'a pas le choix, ça va uniquement être dans EVE Online. Alors souvent, il y a ici des petits commentaires qui vont vous aider à gagner du temps, parce que si, vous voyez, il y a quand même pas mal de gens qui vendent des objets multiples, on voit pas toujours ce que c'est, et il y en a qui font quand même l'effort ici de marquer ce que c'est, donc ça fait quand même gagner du temps, et il y a moyen vraiment de se faire, il y a vraiment des bonnes affaires, parce qu'il y a des gens en fait qui décident de vider leur dépôt, ils ont plein de choses en stock, et ils ont un prix estimé, par exemple, je sais pas moi, à 10 millions, et ils vont vendre leur stock pour 5 millions, à vous après peut-être de voilà, faire le transport et d'aller revendre ça dans les hubs commerciaux, mais il y a vraiment moyen aussi de se faire de l'argent, il y a des gens qui se débarrassent, donc à vous d'analyser, de voir, et on peut vraiment y passer du temps. Dessus, moi ça m'est arrivé de passer plusieurs heures à regarder voilà, la meilleure offre, ce qui est intéressant, ce que je pourrais faire avec ça. Donc les contrats, c'est très intéressant et c'est une interaction uniquement avec les joueurs. Hein. Il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de le jeu ne propose rien, c'est vraiment tout ce que vous voyez dans les contrats, c'est des choses qui ont un rapport avec les joueurs. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des contrats. Donc, vous voyez, c'est pas très long, hein. Il n'y avait pas grand chose à dire, mais c'est quand même intéressant de passer dessus parce que les contrats, c'est un. Chose à faire en plus dans EVE Online que je trouve assez intéressant, surtout si vous décidez de faire du commerce. Je vais bientôt faire une vidéo sur le commerce et la page contrat, c'est une page un peu incontournable quand on fait du commerce dans EVE Online. Donc voilà, allez, à la prochaine, salut!